Is Paris still the luxury capital of the world? Nice. Today, at the Place Vendôme, one man in particular wants to prove that it is. François Pinault has come here with his wife and son, François Henri. Owners of the great Boucheron Jewelers, the Pinault family is holding quite the event. Vous êtes déjà enregistré? Oui. Vous voulez dire quelle place? Oui. C'est en haut. Ah d'accord, ok, merci. A host of stars have been invited, including actresses Letitia Caster and Charlotte Rampling. The audience is made up of celebrities and rich clientele, billionaires from all over the world. C'est bon? Vous êtes prêts? Non. Alors attention, on a peu de temps, c'est maintenant. Tiens, tu lui mets ça et je lui enlève son collier. Behind the scenes, things are hotting up. This year, the brand is breaking new ground. The new collection will no longer use display cases. Instead, models will be wearing the jewellery, just like on the high fashion catwalks. This is a major first for the brand, and the jeweller is aiming to surprise its customers and create a stir. Creative director Claire is at the helm. Et on disait que pour cette collection, on donnait la vie voilà, aux pièces en les présentant portées. On a le sentiment que ça va donner plus de force et mieux mettre en valeur le travail fait sur cette collection. Donc voilà, on se lance sur ce type de présentation. These jewels, which took a year to make, are works of art. Set with a 20-carat yellow diamond, this necklace alone is worth almost 3 million euros. Vous vous sentez habillé? Oui, je brille. Silence complet. Action. To showcase these rare pieces, the brand has come up with some choreography. Cette gestuelle met en valeur les bijoux, on sent une douceur, une élégance. Donc voilà, c'est très différent au final d'un défilé de haute couture. C'est vraiment ça, un instant. A moment that will last half an hour. Just enough time for photographers to send their images to magazines all over the world. Photos that will render Paris the city of luxury and glamour. But behind the scenes, Claire is watching more than just the runway. In recent months, several jewelers have had their treasures stolen. Dozens of suitcases are kept to secure the jewels. After each model is finished, the jewellery is put away and taken to a safe place, under the discreet surveillance of a few security guards. Là, il y a Charlotte qui arrive avant. Là-bas, là-bas, Charlotte. Je l'ai. The show ended with a gold cape held together by a very precious stone, an 80-carat citrine. An ensemble priced at 600,000 euros. C'est génial, elle prend vie concrètement. Pouvoir la positionner comme ça sur Saskia, la voir en mouvement sur son corps. C'est pour ça qu'on fait de la joaillerie, c'est pour ça qu'on crée. C'est pour au final pouvoir permettre à une femme de se sentir encore plus forte, plus belle grâce à ses bijoux. The creativity of the show has captivated the audience. These customers from Kuwait have already made their choice. We're a big fan of Boucheron. And did you see some piece that you want to buy? Yeah, the master, the gold one is amazing. The diamond one with it's like a chandelier one, the big diamond. Mm-hmm. Even the rings are amazing. For Claire and her team, the gamble has paid off. Following the fashion show, five necklaces were reserved. The buyers wish to remain anonymous. J'ai eu un petit moment où je me suis dit je vais avoir de fatigue. Des milliers d'émotions. Du stress, de la joie, tout. Voilà. Un mélange subtil. Et maintenant voilà, ça retombe, je suis ravie, c'est magnifique. Tomorrow, these jewels are going to make several billionaires very happy. And these made in Paris creations will travel the world. With annual sales of 40 billion euros, the French luxury goods industry is attracting an increasingly international clientele.
Among them is Natalia, a wealthy Ukrainian woman. She comes to Paris to go shopping in high fashion boutiques reserved for only select customers. Elita Mira предпочитает что-то другое. Incroyable. And for these exceptional pieces, she is willing to spend crazy amounts of money, over 31,000 euros for three dresses. Je suis contente. Combien de temps mes langoustines, Juju, là, tu m'as dit une minute, Kiki, mais... Parisian luxury also entails fine dining. At 35, Mathieu Paco is already a star in this field. Quelle est la meilleure sauce de ce royaume? Et tant que tu te vois dedans, c'est gagné. With his father, this multi-star chef regularly serves the most prestigious clients. Et là, t'as Barack Obama qui arrive. Comme ça, moi, t'es impressionné. Il est là, il te dit « Hello, I'm Barack. Nice to meet you. » Et là, je me suis dit « Hello, I'm Mathieu. » Luxury is sometimes discreet, especially when it's hidden under clothes. S'il y en a un qui s'arrête devant la vitrine, il va y rester, là. Chantal Thomas is a luxury icon, and her customers love her daring and refined lingerie. Entrez, suivez-moi. The designer let us come visit her home. She picks up her lace in Calais, in one of the last specialist factories. Et vous avez cousu toutes ces petites plumes. Voilà. Magnifique. Here, the last remaining lace makers are gatekeepers of their skills, a symbol of French refinement. Ça nous fait plaisir de travailler de la dentelle pour des clients, surtout pour du luxe. This expertise is in demand in all the highest places. In the very heart of Paris, we will give you a glimpse into one of the most secret private mansions. On est habitué à mettre des porte-manteaux pour que le drapeau soit toujours en triangle. Even the residence of the US ambassador is the epitome of French luxury. Les écartements de verre, là, les gars. Moi, droit à l'erreur, c'est un truc qui rentre pas dans mes critères. C'est impossible. Zéro erreur. Attracting a high-end clientele and paying attention to every detail is the credo for the major French brands, and also for Gigi. She's one of the few female valet drivers in the capital. Vous allez pour combien de temps, à peu près? Une bonne heure. C'est une vraie voiture de luxe, d'une famille saoudienne très très réputée, royale. Her role for the customers of these designer fashion houses is to spare them the hassle of parking, so they can make their purchases in peace. But for several months now, this luxury industry has been under threat. Shops in upmarket districts have witnessed a spate of armed robberies. Une vingtaine de montres ont été dérobées. Les individus ont pris immédiatement la fuite. The most high-profile theft involved Kim Kardashian. The social media star was the victim of a jewelry heist worth 9 million euros. These thefts are driving away customers, so the luxury industry has decided to take action. Jewelers have developed some astonishing techniques, such as display units that can shut themselves in the event of a burglary. They have also stepped up training for their staff. Ce qui fait que le client, eh ben, il a pas la tentation de mettre la main dans la vitrine. This is a glimpse into the secrets of luxury in Paris. A journey through a world where all kinds of crazy things are allowed. This afternoon, Natalia and her daughter Christina leave their flat in one of Paris's most upmarket districts. A limousine is waiting for them. Natalia is Ukrainian. In her homeland, this doctor owns one of the largest plastic surgery practices. She's a jet setter. И сегодня у меня ещё есть один день, чтобы доставить себе удовольствие и купить что-нибудь особенное. She always goes shopping in Paris with her daughter Christina, who studied here. À Paris, bah, c'est la capitale de la mode, il y a les défilés, il y a des gens connus. Du coup, on a toujours envie de s'habiller super bien, de mettre des choses uniques, exceptionnelles. Et du coup, on a envie de se faire belle et de se montrer belle à cette ville-là. Natalia is a regular in a very exclusive boutique near the Champs-Élysées, a district where luxury is very apparent. Welcome to Les Suites,
a boutique reserved for a very wealthy clientele. As soon as they arrive, Natalia and her daughter are relieved of their handbags. Customers need to feel free to move around. The time shopping must be as pleasant as possible. Ça c'est une jupe. On peut porter ensemble. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Tout est en alligator. Et donc en fait, vous pouvez détacher pour emmener en soirée. This boutique is very popular with foreign customers who can treat themselves to exclusive designs and luxury ready-to-wear collections created by designers from across the world. Ça devient chic. Ou ça c'est la designer américaine qui s'est fait connaître pour les lunettes de Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé. The boutique opens on Sundays if customers request it, and shopping can finish very late. On ferme à 21h normalement le soir, mais si les clientes ne peut arriver qu'à 20h30 pour un essayage relativement long, là on va pousser jusqu'à 22h, 22h30, 23h, jusqu'à ce qu'elles choisissent leur robe et qu'elles finissent leurs achats. C'est un service sur mesure. Exactement. On fait sur mesure. C'est sur leur planning et pas le nôtre. A service that comes at a cost. The price tags are enough to make you dizzy. From 5,000 euros to over 8,000 euros for a dress. Before the fitting, Natalia is greeted by Eka, the owner who is of Georgian origin. For this entrepreneur with a passion for fashion, Paris was the obvious place to open her boutique. Her client file contains some prestigious names. Nous sommes très discrets par rapport à qui est notre clientèle. Par exemple, des certaines familles royales, des gens très connus de théâtre, de cinéma, de politique. Alors aujourd'hui, quelle suite? The fitting rooms here are of an unprecedented size for somewhere in the heart of Paris. Three suites are available. The pink, the blue. Voilà. Bienvenue. In the end, Natalia chose the ivory suite. Even during the fittings, the sales assistants continue to take care of the customer. A snack is served using silver serving tongs. Et vous avez des chocolats de la maison du chocolat. Et la porcelaine, elle vient de France et c'est l'un des meilleurs de France. Il y a iPad aussi, ce qui est pratique parfois, attendant que ma mère achète des essayages. Natalia only wants to wear clothes that are unique in the world, like this dress designed by a great Russian couturier. Элита мира предпочитает что-то другое. И Лесюит, и Эка, она единственный человек, который может дать что-то другое. Second dress, designed by a Georgian stylist. In the end, Natalia fell in love with two designs, including this one. As for her daughter, she has her sights set on this dress. The bill arrives on a platter. On a le montant pour toutes les pièces que vous avez choisies, 31 350 euros. Over 31,000 euros for three dresses. Vous êtes étonné du prix? Немного. Немного? Je suis contente. Почему? Три платья. У нас теперь должен быть выход. Мы сделаем себе праздник. Et en moyenne, les gens dépensent combien chez vous? Ah, ça, je ne vais pas partager avec vous. 30 000 euros, c'est classique chez vous. C'est... Ça ne me surprend pas. For security reasons, the sales staff accompany Natalia and her daughter to the car. The shopping spree is over.
Tomorrow, Natalia and her daughter are taking a flight back to Kiev, one of the capital's most beautiful locations is in the historic centre of Paris, in the Marais. This is the Place des Vosges. This morning, one man got here early. Mathieu Pacot knows this pearl of the 17th century like the back of his hand. J'ai grandi ici. Et c'était un peu une enfance privilégiée? Ouais, bien sûr. J'avais l'école qui était là-bas, je prenais mon cartable, on venait ici, on jouait au foot. Après, on courait, on a fait toutes les conneries du monde. Enfin, moi, en tout cas, ici, je me suis régalé. Located beneath these arcades is one of the world's finest restaurants, l'Ambroisie, run by his father, Bernard Pacot. Voilà, ça, c'est l'Ambroisie. This legendary restaurant holds a record. It has maintained 3 Michelin stars for more than 30 years. Salut, Matt. Bernard Pacot is the chef of this restaurant. An orphan, he worked hard all his life to build this temple of gastronomy. He taught his son everything he knows. C'est un peu la rivalité entre vous? Toujours, sûr, toujours. C'est normal, le conflit de génération, c'est bêta. C'est celui qui fera le, qui aura les 3 étoiles le plus vite. Lui, il l'a fait en 6 ans. On va voir le. Alors ça, c'est un peu. Il n'y a pas de concours là-dessus. Oui, mais moi, c'est jamais pas, évident. Je mais ne bon, joue pas. Ce fut un grand maître. Ah, ce fut, bah, je ne suis plus. Non, c'est dommage. Hein. Dommage pour toi, parce que peut-être t'en as encore besoin. In November 2015, the father and son had an unforgettable experience, cooking for one of the most powerful people on the planet, the then president of the United States, Barack Obama, who was visiting Paris. Vous avez des photos, justement? On a la photo officielle. Toute la famille, ma sœur, ma mère. C'est marrant parce que. On était là devant, on attendait Obama, il y a du monde de partout. Les services secrets nous jettent dehors. Ils disent non, on ne peut pas rester là, vous pouvez rester là, entrer dans la cuisine. Là, il y a François Hollande qui arrive, qui dit si, si, ils peuvent rester là. Donc on reste devant. Et là, tu as Barack Obama qui arrive. Comme ça, moi, t'es impressionné. Il est là, il te dit hello, I'm Barack. Nice to meet you. Et là, je me suis dit hello, I'm Mathieu. Et c'était très drôle. Ils avaient un timing hyper, hyper serré. Donc bon, il fallait les aller goûteurs, il fallait vite, il y avait les goûteurs, les machins. Il me disait, bon, vous mettez tout sur le pass, choisis un plat, et le plat, il part pour le président Obama, au pif. Pour voir si c'était pas empoisonné? Ouais. Non, c'est une très grande expérience. Non, sa plus grande expérience, c'est mon sens. Under his father's guidance, Mathieu worked his way up through the ranks of a kitchen staff for 15 years. Là, c'était plutôt conflictuel. Là, c'était la période des conflits et des bagarres. Mais moi, je ne fais pas de différence entre les employés et la famille. Donc, le travail, c'est le travail. C'est pas trop dur de travailler avec son père, alors? Non, c'est dur de travailler avec son fils. C'est pas pareil. Mathieu is now going it alone and hopes to outdo his father in the exclusive circle of 3 Michelin star chefs. To do this, he moved across the capital to the beautiful western districts of Paris, opposite the Eiffel Tower, the Trocadero. This is where he opened his own establishment a year ago. It's already one of the most prestigious and expensive restaurants in the city. In his kitchen, Mathieu works with the most luxurious products. Foie gras, lobster, and caviar. This culinary prodigy only took a few months to earn 2 Michelin stars, a first in the renowned guide's history. Dishes made with the finest ingredients are a speciality, such as king prawns with caviar and fennel cream. When we see an angoustine that is like that, that is translucide, on sait qu'elle vient d'être cuite, quoi. Ça, c'est de la grande cuisine. Et à la maison, c'est vous qui cuisinez? Je m'y mets de temps en temps, surtout pour ma fille, hein, qui est ma cliente la plus difficile. Elle est pas polie. Hein. C'est-à-dire que si c'est bon, elle va le dire. Si c'est pas bon, elle va le dire aussi. This meal costs 180 euros. But this type of dish is not necessarily the most profitable. Un plat comme ça, à préparer, ça coûte une fortune. On va mettre presque 1 kg de langoustine brute.
40 grammes de caviar, donc déjà, tu as quasiment déjà hors taxe 80 euros matière première. Donc, pour gagner de l'argent, il faudrait que je la vende, je sais pas, 240 euros. Et c'est indécent, quoi. Il y a qu'Alain Ducasse qui peut faire ça au Plaza. Here, the bunches of fennel are delicately placed. A constant search for perfection. The same goes for this sauce, made from lobster eggs. Je veux que ça brille. Là. Tu vois, là, c'est un miroir. Là. Alors, quand on se regarde dedans, on voit. Et là, tu dis, quelle est la meilleure sauce de ce royaume? Et tant que tu te vois dedans, c'est gagné. Mathieu hopes to offer his customers an unforgettable experience. Today, Philippe and Gabrielle want to experience this privilege. This Parisian lawyer and his daughter are coming for a special occasion. C'est un événement un peu particulier, c'est la fin de son cursus d'avocat. Donc, tant qu'à faire, on s'est dit qu'on allait fêter le dernier examen dans un bon endroit et en profiter pour bien manger. J'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Ça valait le coup de réussir le barreau. On n'a pas encore les notes, mais ça valait le coup de le finir en tout cas. A regular at Michelin-starred establishments, Philippe has heard good things about Mathieu's place. He's got high hopes for the restaurant, which is said to be full of surprises. This address actually houses two restaurants. Bienvenue. Bonjour, merci. On the left, the first room launched in 2014. Non, c'est pas là. But the one Philippe and his daughter are about to discover is much more hidden. The maitre d' leads them to a secret door. Voilà, bienvenue au restaurant. Joli. C'est assez inédit. C'est un trompe-l'œil, et donc on va désorienter un peu le client. A strange jumble of bric-a-brac lines the entrance hall. An unusual sight in this type of establishment. Mathieu wants to subvert his customers' expectations. C'est volontaire. Tout à fait volontaire, tout à fait. C'est marrant, c'est le canard au doigt qui attrape la nappe. C'est très surprenant, donc non, c'est très sympa. On n'a jamais vu ça dans un restaurant, non. Quoi. On passe à table, s'il vous plaît. The ultimate luxury in the heart of Paris. The restaurant has just six tables, tucked away in these little alcoves. Mais c'est quand même très original comme endroit. The most prestigious produce is on the menu. A starter or main course costs at least 100 euros. But it's the tableware that catches Philippe and Gabrielle's eye. C'est très, très original et c'est très beau. Ça m'évoque la campagne, avec oui. Beaucoup de foin. Oh. On comprend pourquoi il y a des trous maintenant. Exactement. Even the wine glasses are special. Et c'est les verres qui ont cette particularité d'être très, très fins, avec absolument pas de plomb dedans. Et du coup, ils sont très flexibles et très légers. Flexibles, c'est-à-dire ouais. On peut faire la démonstration. Oui, je voulais dire, on va essayer. The finest glassware. What better way to showcase the Grand Cru house wine? T'as les herbes, Kiki, là? Behind the scenes, the Michelin-starred chef is working away to offer his customers the ultimate in refinement. Le luxe, c'est le détail. C'est pour ça que j'ai fait que 6 tables. Parce qu'à 6 tables, je fais de la haute couture. Je fais 6 tables, il faut 12 et 18 couverts maximum. Avec une équipe de cuisine qui est quand même, ils sont 6, ça fait un cuisinier par table. Voilà, je suis content, moi je suis heureux comme ça. To win over his customers, Mathieu offers spectacular experiences, like these domes filled with rosemary smoke that infuse the fish. C'est vraiment une imprégnation de la fumée dans le homard, dans tout. Il y a un réel intérêt gustatif au plat. Le spectacle pour le spectacle, bon, je mettrais de la neige carbonique dans un machin de flotte, ça ferait de la fumée de partout. Là, je ferais du spectacle qui aurait aucun intérêt. The rosemary dome is having a small effect on Gabrielle. The three times cooked sea snail is now ready to eat. C'est magnifique et ça sent bon. C'est une part de magie, puis on voit toujours l'émerveillement dans les yeux des clients, et ça, c'est superbe. Je ne suis pas chauvin. Mais je pense quand même qu'il y a vraiment qu'à Paris qu'on arrive à manger aussi bien dans beaucoup de restaurants. Même quand on va à Londres, il y a des restaurants qui ont des macarons, mais je pense que les échelles ne sont pas les mêmes. Enfin, il y a d'excellents restaurants en Espagne aussi, mais ça n'a rien à voir. Quoi. Dessert arrives, and once again, you can expect the unexpected.
On termine en beauté, dans le feu d'artifice de plusieurs desserts. Il y a 7 desserts au total, plus les mignardises, au cas où. On est impressionné devant 7 desserts. A full menu accompanied by fine wines costs more than 1,000 euros for 2 people. C'est vraiment un endroit rare à Paris. Il mérite largement ses 2 étoiles. Maintenant, il va falloir faire en sorte qu'il ait sa 3e. Je pense que ça les vaut quand même assez largement. Winning 3 Michelin stars is Mathieu's dream. His father achieved this holy grail in 6 years. If Mathieu succeeds, it will be a crowning achievement. J'imagine la beauté de la scène. Tu viens tu prends tes 3 étoiles Michelin. T'as ton père qui est là, parce que vous savez, mon père, un jour, il a dit un truc très très beau, il a dit « Mon fils, il brillera pour moi, non pas par l'argent qu'il a, mais par les étoiles Michelin qu'il aura. » And Mathieu is pulling out all the stops. He aims for excellence, offering the best food and the finest wines. He hides these treasures in an ultra-secure location. Fingerprint. A cellar more secure than a bank, which he has agreed to let us explore. Toute ma fortune, girl. This wine cellar is valued at 500,000 euros. The shelves are lined with dozens of vintage wines like this Burgundy, the most expensive in the establishment. Samuel, the sommelier, still gets emotional speaking about it. Sur carte, on la propose à 8000 euros. C'est des choses qu'on vend rarement, et quand on les vend dans une vie de sommelier, c'est toujours un moment exceptionnel. On peut se faire le cri au bâtard. Bâtard sur l'angoustine. Mathieu's idea is to match each dish with a glass of vintage wine, taking luxury to the highest level. Le but du cuisinier et du restaurateur, c'est de pouvoir offrir à son client un souvenir éternel. Il y a une clientèle pour ça à Paris. Il y a bien des gens qui vont acheter des sacs à main chez Hermès à 10 000 euros, donc ils peuvent manger un menu. But how to serve wine by the glass without spoiling the rest of the bottle? The chef uses this revolutionary tool. This needle pierces the cork and allows a glass to be drawn without opening the bottle. A neutral gas is injected at the same time to avoid venting the wine. Ce qui est incroyable, c'est que la bouteille après, on peut la garder 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça bouge pas. C'est-à-dire que le vin, il reste identique à ce qu'il était. Mathieu now wants to take on a new challenge. He wanted to give a new lease of life to a Parisian institution, a prestigious address that had fallen into disuse. And to succeed, in just a few days' time, the young chef is going to have to pull out all the stops. A change of scenery, a different vibe. Behind the Place de la Concorde is the most luxurious street in Paris. This 2-kilometer-long avenue is the Faubourg Saint-Honoré. It's home to the Élysée Palace and major foreign embassies, rivaling Manhattan's Fifth Avenue. Luxury hotels such as the Bristol stand side by side with top designer brands. Dior, Cartier, Chanel, dazzling window displays. Whether it's clothes or jewellery, price tags are in the tens and sometimes even hundreds of thousands of euros. Many customers queue to get in these shops. These 2 Russian tourists want to buy a bag from this famous leather goods store. They've been waiting 2 hours for it to open. I think I was here 4 days. Every day they said, you must come back tomorrow maybe. As is often the case with luxury brands, this label produces limited editions to create collector's items and spark high demand. Before heading back to Moscow, Veronica wants to buy this 7,000 euro bag. When you have this bag, you have power, you have money, everyone can see it. A power that has already set her back more than 30,000 euros on handbags alone. In the Faubourg Saint-Honoré, women dressed from head to toe in designer labels are all searching for this thrill, like Brigitte and her daughter. Vous avez un budget? Oui, un petit budget quand même. Il est à combien votre budget? 3000. Et vous voulez quoi comme sac? Un Birkin. Beaucoup d'attentes? Moi j'en ai déjà 3, j'attends 3 mois.
À chaque fois? Ouais, 2-3 mois, ouais. Oui, bah, j'aime bien parce que je prends des couleurs différentes, des modèles, des formats différents. Donc, c'est une histoire de goût après. Et des comme ça? Oui, j'en ai quelques-uns aussi. Vous avez combien? 4-5. To pamper these VIP customers and make their shopping trips easier, local retailers have set up a valet service. Among them is Gigi, a well-known figure in the Faubourg district. This young woman in her 30s lives in the Paris suburbs. She landed this cushy job 2 years ago. Not just a job, but a vocation. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez pour combien de temps à peu près? Une bonne heure. D'accord, ça marche. On est jusqu'à 19h. Merci. Tout à l'heure. C'est une belle voiture, ça? Une très très belle voiture, ouais. C'est une vraie voiture de luxe, d'une famille saoudienne très très réputée, royale. Et ils viennent souvent ici, donc c'est vraiment leur quartier de prédilection quand ils viennent sur Paris. Donc voilà, c'est très sympathique à conduire en tout cas. Gigi looks after some very expensive cars, like this Rolls Phantom worth 500,000 euros. Her job is to park it within 50 meters of her client. The slightest scratch would be very expensive to her company. C'est une grande voiture aussi, donc c'est une berline. Il faut vraiment faire très très attention et avoir l'œil parce que on peut passer d'une petite à une grande voiture et puis pas forcément évaluer les distances. Donc il faut vraiment faire très attention. This leather-seated car of dreams is the work of a leading French leather craftsman. For a brief moment, Gigi gets a taste of the billionaire lifestyle. On a le privilège de rentrer un petit peu en quelque sorte dans l'intimité des gens en montant dans leur voiture. Et c'est vrai que c'est pas n'importe quelle personne aussi. Par exemple, pour les joueurs de foot, choses comme ça. C'est vrai qu'on voit leur intimité, les sèches bébés, on voit leurs parfums, leurs CD. On sait qu'il y a certains chanteurs qui écoutent leurs propres CD. Donc c'est très marrant. Quoi. Par exemple Calogero. To park these beauties, Gigi earns 1,500 euros gross per month, the equivalent of the minimum wage, plus tips. She's one of the only female drivers. Bonjour, mesdames. So she doesn't go unnoticed. C'est merveilleux. Bah, ça change, hein. Ah, merci. Est-ce que je la donne ou je la laisse en plus tard? Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Quelle merveille d'avoir un voiturier aussi sexy. C'est très séduisant. C'est sympa. À tout de suite. À tout de suite. Vous faites beaucoup appel au voiturier? Oui. Pourquoi? Pour confort, éviter les PV et finalement le calcul est vite fait. C'est tellement... Et bien alors là, en plus, c'est séduisant. En plus d'être confortable, enfin, ça devient séduisant. Enfin, une femme voiture. Ah. Thanks to the shop's financial contribution, this service only costs customers 10 euros an hour, just 1 euro more than underground car parks. At this price, Gigi is rather popular. Vous pouvez nous donner votre téléphone. To ensure that customers can relax while splashing the cash, the young woman parks around 50 sports cars each day. This one is worth 185,000 euros. After seeing Gigi, the owner seems a little worried. Ouais. En faites pas. Merci. C'est une jeune dame, c'est pas habituel. Faites attention. J'y tiens. Vous en faites pas. À tout à l'heure. Merci. On sent en fait, dès qu'on met la première, qu'elle est très sportive. Et c'est sûr que j'aimerais bien en avoir une comme ça. Enfin, une parmi toutes. Ce serait pas mal. Mais ouais, c'est un peu un rêve de conduire toutes les voitures. Moi, je me dis que dans ma vie, j'aurais eu toutes les voitures entre les mains. In this part of Paris, parking spaces are expensive. Il y a une voiture à l'angle de Gucci. Hein. Walkie-talkie and her colleagues, Gigi knows exactly where to find a spot. An invaluable service, particularly for her customers. Je préfère ne pas trop marcher. Les femmes sont en talons, donc elles ne veulent pas faire des kilomètres. Et puis, ils ont des paquets à mettre dans leur voiture de temps en temps, faire des allers-retours. Ça les embête un peu d'aller jusque dans le parking. Quoi. Donc, on est là aussi pour faciliter ça. Voilà. Voilà, monsieur, voilà votre clé. Je vais vous accompagner à votre véhicule. Hein. Et voilà.
To make shopping a pleasant experience, Gigi is always smiling and polite. Ah, vous ouvrez la porte aussi? Ah bah oui, c'est plus agréable pour les clients quand même. Si on les accompagne jusqu'au bout. A high-end, award-winning service. Vous êtes choyé alors, monsieur? Oui, hein. Je suis choyé, on est d'accord. Tenez. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. À bientôt, monsieur. Là, c'est un programme de 10 euros. Donc c'était vraiment très sympathique. Et c'est vrai que ça varie entre 2, 10 euros. Et une fois, j'ai eu 20 euros, mais c'était exceptionnel, quoi. Et pour certaines personnes aisées, comme les Qataris, c'est limite une tradition de donner les pourboires. Il va y avoir une personne qui va les suivre pour distribuer simplement leurs pourboires. Donc c'est aussi une façon de se montrer, de montrer qu'on a du pouvoir, de l'argent. Gigi loves her job. Launched 3 years ago, this valet parking service has become an important part in the development of high street commerce. A little further ahead, this boutique attracts many female shoppers from the Faubourg-Saint-Honoré district. The window display shows off some expensive and chic lingerie. They are another image of French luxury. A bra here costs 180 euros, and knickers are 90 euros. Si elle est rue Saint-Honoré, c'est pas pour rien non plus. Ça plaît à la plupart des Parisiennes, en tout cas. Ça fait partie du haut de gamme. Tout le monde ne peut pas se l'offrir. Voilà. Bonsoir, Suzanne. The boutique's founder is Chantal Thomas. A fashion icon, she has specialized in luxury lingerie for over 30 years. Her sexy creations are worn by some of the richest women in the world. Et ça, on va mettre... Paris, je pense, cette image un peu coquine, oui. En tout cas, hyper féminine, sensuelle, drôle, voilà. Je l'avais mis où? Je voulais le mettre où, celui-là? Ici. Some of the slips on these hangers cost up to 360 euros, prices that Chantal feels are justified. Toutes ces dentelles sont des dentelles chères quand même. Les dentelles Diverse, c'est assez cher. L'incrustation, c'est quelque chose, c'est un travail raffiné. Un petit corset comme ça, c'est énormément de travail, de surpiqûre. En fait, j'ai choisi de travailler dans le luxe parce que c'est beaucoup plus agréable de travailler dans le luxe parce qu'on peut choisir de beaucoup plus jolies matières et on peut faire aussi un travail plus raffiné. This evening, the designer is preparing a few sets before the arrival of a valued client, a French actress. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, super. Vous êtes venue avec bébé? Eh oui. Vous voulez que je vous montre la collection? Avec plaisir. Frédérique Bell has appeared in around 40 films. The actress, a former lingerie model, made her name 10 years ago in La Minute Blonde, a comedy TV program. She's made an appointment for a personalized fitting. Celui-là, vous l'avez en déjà. En fait, j'étais presque tous. Ah bon, d'accord. Mais pas les nouveaux. J'ai pas les nouveaux, parce qu'en général, quand je tourne, je me fais habiller en Chantal Thomas. D'accord. J'ai besoin de lingerie qui se voit pas, parce que je mets beaucoup de haute couture, beaucoup de très, très belles robes. Et souvent, les sous-vêtements doivent être inexistants. C'est-à-dire que vraiment, cacher et voilà. Être au service de la robe. En noir et cher. Ah, c'est très joli. Eh oui. Although the actress is dressed free of charge for her shoots, these personal fittings can bring in a lot of money. A few months ago, Chantal Thomas welcomed customers from the Middle East. She made her biggest sale ever in less than an hour. La boutique était remplie de sacs cadeaux parce que, en fait, c'est des gens qui achètent pour tout le monde, pour toute la famille, pour leurs sœurs, pour leurs cousines, pour la... Donc elles prennent un modèle, elles en prennent 10. Donc c'était beaucoup, 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 oui. Une très grosse journée, vous vous rappelez? Ah, c'était une très, très grosse journée. Je crois que c'était à 60 millions. C'était énorme. C'est très joli avec les petites fleurs. It only takes a few minutes for Frédérique to fall in love with several lingerie sets. Voilà, j'ai trouvé le noir. Ah, super. Alors j'ai même le panty. Ah, c'est drôle ça. Chantal Thomas is used to pampering her customers. L'accueil est excessivement important, particulièrement pour de la lingerie où c'est quand même quelque chose d'intime. Et donc il faut avoir un côté assez complice et discret en même temps. Attention, je sors. Pas mal.
ça pour un film, pourquoi pas, c'est pas être rigolo. Garçon de Luna. Moi j'aime bien, c'est quand le saint, il regarde en l'air. Là, c'est un autre scénario où je dois servir. S'il y en a un qui s'arrête devant la vitrine, il va y rester, là. J'adore les sous-vêtements, mais parfois, je les porte pas parce que j'ai peur des abîmer. Elle aime ça, ça lui plaît et en plus elle est belle, ça lui va bien. Alors donc la vie est belle, oui. Ah ça c'est top, ça c'est magnifique, ça fait vraiment pin-up. Et ton... Il est fait pour moi. Absolument. J'adore. Je vais prendre celui-ci puis le même en couleur chair. D'accord, il est bas. Bon, je cherchais rien au départ, mais on le trouve toujours. C'est ça le problème. Voilà. Frédéric Bell is going home with two lingerie sets and a pair of stockings. Ça rend forte, ça rend puissante. C'est le vrai woman power. C'est de savoir qu'on est puissante en dessous, mais que personne ne sait. Ouais. Voilà. Merci. To tempt her customers, Chantal creates around 30 lingerie sets each year. Like all luxury companies, she employs skilled artisans who specialise in the manufacture of refined materials. A workforce that has preserved a unique expertise. This morning at Gare du Nord, the designer is embarking on a journey that will take her to the lace capital. Calais, c'est la ville de la dentelle. C'est là où sont tous les fabricants de dentelles, de belles dentelles Leavers. Et on vient ici une fois par an à peu près pour voir nos fournisseurs et aussi pour trouver de nouvelles idées dans les archives. Chantal and her colleague are due to deliver their new collection in less than 6 months. They don't have a minute to lose. They even work on the train. Il y a des touches à faire. C'est un genre plus petit, mais c'est encore un peu lourd. C'est un peu classique. Ouais, c'est trop classique. J'aime aller voir les usines. Et j'ai toujours, je suis beaucoup plus inspirée en voyant, en allant sur place. Tout le monde ne le fait pas, il y a plein de créateurs qui ne vont pas dans les usines. Mais m'est arrivé de travailler, de faire des bouteilles, je suis allée dans les usines de verre. J'ai fait une collection de matelas, de lits pour Tréca. Il y a quelques années, je suis allée voir comment on faisait des matelas. J'aime bien voir comment c'est fait. Calais, the home of French lace since 1820. At the beginning of the last century, the factories here employed 400,000 people. Only 5 companies have survived, with fewer than 600 employees. The most noteworthy is that of Olivier Noyon, Chantal Thomas' supplier. Chantal. Bonjour. Vous allez bien? Ah. Cravate au vent. Exactement. Il fait beau. Il fait très beau à Calais. Olivier Noyon works with some of the biggest brands in Paris. C'est votre VIP? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si je pourrais dire un VIP, c'est beaucoup plus que ça, Chantal. C'est un symbole pour Calais. Vous savez que Chantal est la marraine de la cité de la dentelle et le label Dentelle de Calais Caudry, elle le défend depuis longues années. Vous entendez le bruit des machines derrière? These steel monsters, known as levers, have been in operation for over a century. They were invented in England. The method of making lace has not changed since then. Like sheet music, the punched cardboard tells the machines what designs to create. Each hour, these looms produce 2 meters of extremely delicate Chantilly lace. C'est l'industrie lourde pour le luxe. Et oui, en fait, ça paraît incroyable que ces énormes monstres en fer fassent des choses aussi fines et raffinées. Hein. C'est étonnant. Behind all these designs is a rather unassuming man. He has made lace for thousands of items of underwear. Bruno est le dernier perceur de carton. D'accord. Bonjour. For 42 years, Bruno has been drilling the cardboard boxes that form the lace patterns. He's the only person left in the world with this skill. Et vous partez de quoi? C'est marqué quelque part. Oui, ici, d'accord. Ça s'appelle un barème. Mettons, pour faire 11, je dois faire 8 et 2, 10 et 1, 11. Et c'est 16, un métier, hein de... Le 16, il commence à compter qu'à partir de 24.
S'il y a 16, je dois faire 8 et 8. Et je ne dois pas faire le 16. D'accord. Et après, le deuxième. Mais vous les trouvez où, les chiffres? C'est vrai, mais c'est personne. Okay. Il n'y a pas de relève? Je ne sais pas. J'ai encore le temps, j'ai encore 2 ans à faire d'ici là. Oh bah, il est temps de les former, hein, parce que ça n'a pas l'air simple. Today, technology is replacing this old-fashioned profession, which Bruno is keeping alive for a little while longer. Thanks to these workers, the Parisian designer hopes to find new lace patterns for her next collection. To win over Chantal, Olivier presents her with one of his most refined designs. Ça, c'est vraiment très luxe, c'est rebrodé en fait. Et vous avez cousu toutes ces petites plumes. Voilà. Magnifique. Alors là, après broderie, ça peut monter aux alentours de 150-200 euros le mètre. A rare fabric that costs 5 times more than traditional lace. Each meter of this chantilly is reworked for 2 hours to embroider the feathers by hand. Dominique has worked here for 36 years. She takes great pride in hand finishing these pieces for luxury brands. Je pense pas que moi personnellement je pourrais le porter, mais ça nous fait plaisir, moi et mes collègues, ça nous fait plaisir de travailler de la dentelle pour des clients, surtout pour du luxe. C'est quand même des personnes de la haute société, donc ça nous fait plaisir. En voyant ça, on se dit, ben, on l'a eu dans les mains, dans des magazines de mode. Quand on voit ça, ben, on dit à ses enfants, on dit à son mari, tiens, regarde, c'est ce que moi j'ai fait ça. C'est d'une beauté, ça, ah oui. Before making their choice, Chantal and her assistant ask to see other lace patterns. To feed their imagination and create unique designs, la caverne d'Ali Baba. They enter a real treasure trove, the factory's secret archives. These dozens of books contain all the lace designs made by the company over the last century and a half. On va pouvoir fouiller. C'est joli, ça. With more than 10,000 samples, there's plenty of inspiration for the next collection. Ça, c'est magnifique, par exemple. Il y a une finesse du dessin qui est extraordinaire. As she leafs through the folder, Chantal discovers nuggets of information. Ça, pour faire une petite feuille de vigne, ça serait bien aussi, pour cacher. Ah, je ne sais pas ce que je cherche. Je cherche la surprise. Je cherche quelque chose qui va tout à coup me donner des idées, en fait. Mon idée du luxe, c'est l'originalité. Hein. C'est faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Là, le petit éventail, si on peut mettre la couleur, le point de couleur, comme celui-là. After 3 hours, the designer decided on several patterns. This fan from the 1930s will adorn one of the bras in her future collection. She will have it customized. Vous mettez en galon avec l'autre côté, mais vous l'agrandissez quand même, pas du double, mais un et demi. Ouais. Et puis, on va faire effectivement écossais et rose, parce que ça, c'est un truc qu'on a envie de faire depuis longtemps, quand même. This lace will also help Chantal take on a new challenge. Au revoir. Merci. La semaine prochaine. The designer agreed to take on a daring project, designing outfits for the Crazy Horse Dancers. The famous Parisian cabaret is launching a new show, premiering in just a few weeks' time. Bon, bah, bon courage et bonne soirée. Today, this French expertise in the luxury sector is highly sought after, particularly in places of power, like here, in the heart of the Faubourg Saint-Honoré district. There's the Élysée Palace, of course, and the British Embassy. But hidden away on this avenue is an inaccessible private mansion, one of the most luxurious in the capital. Placed under extremely tight surveillance, welcome to the residence of the US ambassador. Allez, on est parti. For 40 years, the Hotel de Pontalba has been the home of American diplomats. Sumptuous receptions are regularly held beneath the gilded paneling, and all the staff are French. Les écartements de verre, là, les gars. Et les monogrammes. Je m'en occupe, ils sont pas vérifiés. Sont à l'envers. Ils sont pas vérifiés. Today,
This team of butlers are preparing for one of the biggest banquets of the year. 80 covers in honor of the American Hospital Foundation in Paris. Là, par exemple, on a droit à un pouce là, un pouce là. The guests will be arriving in less than an hour, and the setup is nowhere near complete. At the entrance to the residence, another Frenchman is busy. The American ambassador will be down in a few minutes, so Yves Canova, her butler, is putting the flag back in place with a nifty trick. On est habitué à mettre des porte-manteaux pour que le drapeau il soit toujours en triangle et que la pointe soit toujours comme ça. Yves has been working here for many years. He has already served at the Élysée Palace and in several French ministries and embassies. A refined know-how that he acquired in the French army. Moi, j'ai fait toutes mes études dans la marine et j'ai appris le protocole là, j'ai appris tout ce qu'on peut faire, aussi bien à faire des fleurs, à faire... parce que dans la marine, il y a une tradition, parce que sur les bateaux, bah, il faut savoir tout faire, aussi bien un canapé que servir à table, faire des cocktails. That's how he came to work for Jane Hartley, the US ambassador. This close associate of President Obama makes a point of ensuring that her receptions are perfect. Hello, Ambassador. Oh. I just wanted to let you know about the details of dinner. Yes. The ambassador is delighted to have hired so many French staff to deliver her guests excellence. Of course, I have a great staff, and many of them have been with the residents for many, many years. But it does take a lot of work. I mean, for instance, we had 3,000 guests for our 4th of July event. So you should be really confident in your staff. My staff is fantastic, and it's opening our house, America's house, to the French. And this staff is often called upon, as Jane Hartley organizes an average of 4 receptions a week. Ça y est, les filles, c'est bientôt fini. In the basement kitchens, a French chef is also in charge. Yves Raquel has an impressive array of saucepans at his disposal to ensure the success of his banquets. Bon, c'est pour travailler les sauces ou ça, le cuivre, c'est ce qu'il y a de mieux quand même. En plus, elle est siglée, alors, vous voyez. Et on va ça des États-Unis, c'est vrai que, bon, c'est rare d'avoir une batterie comme ça. Après, tu m'amènes les noisettes, Magali, s'il te plaît. Les noisettes d'agneau. Yves has been working here for 5 years. He has run some of Paris's top restaurants, but nothing beats the change of scenery offered by this American residence. Bah, c'est rigolo, c'est vrai qu'il y en a, pour leur travail, ils vont prendre l'avion pour aller à New York. Bah, nous, on arrive le matin, bah voilà, on est aux États-Unis, mais on est à Paris. Magali has just joined the fully French personnel and still feels quite daunted. Bah, c'est assez prestigieux quand même. Forcément, l'ambassade, ça fait toujours rêver. Tout le monde n'y a pas accès, donc c'est vraiment très agréable de travailler dans ce genre de lieu. Donc, on est toujours impressionné. Daniel, oui. Tu peux faire des tomates là, je monte là-haut. Ouais, ça marche. To find the fresh herbs that will delight the ambassador's taste buds, Yves has the rare privilege of picking them in one of the most secret places in Paris. Ici, c'est tout le jardin de l'ambassadeur, c'est-à-dire que le jardin fait à peu près 1 hectare. Et après, ici, voilà, vous avez tout le potager, avec des herbes aromatiques et des fruits de saison. C'est-à-dire que là, voilà, quand on a un petit peu de fraises, bah, l'ambassadeur, à son petit déjeuner, on lui fait une petite salade de fraises. C'est vrai que c'est agréable. Au lieu d'en commander, on les a à domicile. C'est-à-dire que ça, c'est génial. C'est un peu le chic du chic. C'est le chic du chic, c'est vrai. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir ça sur son lieu de travail. 12:30 p.m. Appetizers start being served in the Great Hall. 80 guests have turned out for the ambassador's reception. Hello, how are you? Nice to see you. Oh yes, yes, how are you? I remember. All are wealthy donors to the American Hospital. To be invited to this residence in the heart of Paris is an honor, one that the director of the foundation appreciates. Et c'est très 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 joli ici. Tout le monde veut venir ici. Je trouve que les Français ont le meilleur goût du monde. Une sorte de savoir-vivre que nous, comme Américains, nous avons envie de ça.
Eve watches on discreetly, ensuring that timings are strictly adhered to. Nous, on a un horaire de 30-35 de passage à table. C'est pour ça que les maîtres d'hôtel sont là, prêts. Et c'est madame qui va donner le feu vert pour passer à table. Alors, vous allez dire madame est servie? Je l'ai fait il y a longtemps, mais maintenant, non, ça se fait plus. Pourquoi? Parce que bah, les ambassadeurs ne le désirent pas, parce que ça fait un peu trop vieille France. Recognized as an institution of public benefit. While the guests listen attentively to the ambassador's speech. Chef, on enlève tous. Allez, nous sommes plus végétariens. Behind the scenes, Alex and the chef have completely transformed the entrance hall. On est parti. Tout va bien, chef? Tout va bien, impeccable. Chef, on sert le vin blanc. On est parti. At the foot of the grand staircase, an elaborate serving station has been set up. A methodical production line devised entirely by Eve. Depuis la cuisine, remonter par les escaliers ou par les passes, c'est trop long et ça refroidit. Alors que là, on est à quelques mètres de la salle et ça va beaucoup plus rapide. In less than one hour, the 100 or so guests can eat all three courses without a hitch. Allez, partez les gars, commencez. Et le café dans la foulée. Despite this frenetic pace, the butlers never let their guard down. Even a poorly presented plate doesn't go undetected. Ouais. Salade de fruits, c'est bon? Alors, hey, allô, la salade de fruits, là. Allô, on reste pas ça comme ça, hein. On n'est pas chez... on n'est pas au bistrot, ici, hein. 3 p.m. The banquet has come to an end. Another successful reception for the ambassador. Eve, the butler, has to set the table again in 1 hour for a cocktail party of 100 people. And most importantly, keep up the momentum. C'est pas trop fatigant? Si, c'est fatigant parce que c'est vrai que avant-hier, je me suis couché à 1h du matin. Ce matin, j'étais là à 7h30. Hier soir, j'ai fini à 22h30. Ouais, ce matin, 7h30. Et ce soir, pas avant 21h. C'est vrai que c'est fatigant. Mais bon, le principal, comme je dis, c'est que l'ambassadeur, l'ambassade et leurs services sont contents. Après le reste, c'est pas grave. Custodians of Parisian luxury like Eve work day and night to maintain this level of excellence and ensure the City of Lights keeps on dazzling. In Paris, Thierry Robert is another one of the luxury industry's key craftsmen. He works in a rare and risky profession, gem hunting for a major jeweler, a profession prone to robbery. He has given us exclusive permission to film. Nos fournisseurs n'ont pas envie du tout d'être connus, reconnus, et c'est vrai que la sécurité compte énormément. Working for Boucheron, Thierry travels the world in search of precious stones. But he buys some of these jewels from hidden wholesalers in Paris. Discreet addresses, protected by armored locks. A major security operation. These offices are home to an incredible treasure trove. Bonjour, Emmanuel. Bien et vous? Très bien. Bienvenue, merci de venir jusqu'à nous. Ben écoutez, suite à votre appel, je ne pouvais pas rater ça. Venez, alors on a commencé à disposer à peu près tout. There are 1,000 precious stones on this table. Sapphires. Emeralds. Rubies. Altogether, they are valued at almost 10 million euros. Thierry hopes to find a ruby and a yellow sapphire that Boucheron has ordered from this reputable retailer. Vous me laissez jeter un petit coup d'œil pour commencer, je vais bien faire un tour. Thierry learnt the trade from his father and subsequently took over from him. Should he fall in love with a stone at first sight, his budget could easily exceed a million. With his sharp eye, he's quick to spot a very rare piece. That's superbe. Superbe. Ouais. 14-carat Padparacha sapphire worth around 400,000 euros. Une pierre assez atypique, puisqu'en fait, elle est vraiment entre le orange et le rose. Enfin, vous me... Oui, 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 c'est ça. Alors, le Padparacha, c'est très difficile à trouver. Ça fait partie, si vous voulez, du côté sympathique de ce métier, c'est de flasher à un moment donné sur une ou deux pierres en particulier. Et qu'est-ce que vous flashez, justement? La matière, la brillance.
This merchant is a stonecutter, but the quality of some gems is sometimes lacking, so it's a risky move, such as the case for his latest 411-carat raw ruby, similar to this one. On l'a payé 200 000 dollars, et aujourd'hui, on nous en offre pas 10 000. Donc oui, là, dans ce cas-là, il y a eu une grosse perte. Mais aujourd'hui, il est taillé ? Aujourd'hui, il est taillé. Malheureusement taillé, parce que peut-être qu'en brut, j'aurais pu le revendre à quelqu'un qui aurait été plein d'illusions comme moi. Mais malheureusement, en le taillant, ben non, ça a été une vraie catastrophe. C'est un métier dur. C'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de nouveaux intervenants et que souvent, c'est un métier qui s'apprend de père en fils et c'est pas monsieur qui dira le contraire. Les erreurs coûtent très cher. The two men know each other well, yet they work under the watchful eye of cameras. They record every sale to prevent theft. To pique Thierry's curiosity, the trader unveils one of his latest pieces, an exceptional ruby. Mozambique. Oui. Là, on sent que vous avez craqué. Craqué. Disons que j'apprécie la pierre. So as to not push up the price, Thierry didn't visibly show his enthusiasm, but the gem has captivated him. Good news for his supplier. To acquire all these pieces, he went into debt. Il y a un proverbe dans le métier qui dit qu'on commence dans le métier avec 1000 dollars et une pierre, et on finit avec 1000 pierres et un dollar. C'est-à-dire que bizarrement, on pourrait se dire, oh là là, vu toutes ces pierres, il y a une fortune colossale, mais les marchands sont souvent des passionnés et n'arrivent pas à se retenir et sont toujours en train d'acheter la nouvelle pierre, un peu comme le brocanteur qui a toujours... envie de la chose qu'il n'a pas. Donc on est plutôt endetté que riche. Thierry has succumbed to a dozen stones, including the famous Padparacha. His selection has a value of 1 million euros. But before finalizing the sale, he has to show them to the jeweler who commissioned them. The transfer will take place under maximum security. Vous ne partez pas avec dans la poche? Jamais, pour des questions d'assurance. Donc, de toute manière, ou c'est un transporteur tel que la Brins ou Ferrari, etc., qui prend en charge les pierres. Mais ça, jamais je vais me promener avec une pierre, que ce soit à Paris, à Hong Kong, à New York. On a mis en place des règles. Moi, par exemple, j'ai pas les clés de mon bureau. Luxury professionals and brands are taking such precautions because they have been victims of robberies and violent thefts for several years, including armed robberies and vehicular attacks. Une vingtaine de montres ont été dérobées. Les individus ont pris immédiatement la fuite. Ça a été très court, évidemment, vous l'imaginez, hein, l'espace de quelques minutes peut-être. The most high-profile attack occurred in October 2016. Star Kim Kardashian was the victim of an ultra-violent robbery. Three men broke into the hotel. They tied her up and threatened her with a gun. They fled the scene on their bikes with jewelry worth 9 million euros. After her ordeal, the star left Paris. She didn't return for 2 years. In an attempt to reassure customers, the luxury industry has decided to take action. We're not far from Le Bristol, near the very chic Faubourg Saint-Honoré district. It's here that Yvan Ledour, CEO of the French brand Gringoire, has set up a new address. Vous sonnez même chez vous? Nous sonnons systématiquement pour toutes les salles de sécurité, bien entendu. Bonjour Tiane, vous allez bien? Oui, très bien. Et vous, merci. He has just established his first Parisian boutique here. His jewelry ranges from 500 euros for this bracelet to an average of 3,500 euros for the rings. And even more for the most beautiful room in the shop. Pour ce collier-là, avec la tourmaline verte, du saphir et de l'améthyste. C'est à 29 200 euros. Every morning, the sales assistant spend half an hour setting up 200 items in the display windows. And the procedure is always the same. Pour des questions de sécurité, on ne peut pas laisser des pièces de cette valeur toujours en vitrine. Tous les matins, tous les soirs. C'est le même balai pour toute la joaillerie. To protect these items, Julie must follow precise instructions.
Là, typiquement, on a le plateau qu'il ne faut pas avoir quand on fait une présentation à un client, parce qu'on a 5 pièces, bon, et surtout 2 petites pièces qui peuvent être faciles à subtiliser. Et voilà, un client malhonnête peut voilà, toujours être en train de toucher des pièces, paraître un peu stressé, peut-être un peu même tremblé, et voilà, il va toujours... comme s'il regardait, mais en fait, il ne regarde pas vraiment. Il est plus en train de guetter le moment où il se dit « Bon, quand est-ce que je vais pouvoir piquer cette telle ou telle pièce ?» These sales assistants may find themselves face-to-face with ill-intentioned customers. They are therefore regularly trained by this man. Fabrice is a security expert. Bon, je crois que les travaux ont été faits. Ouais, tu vois. Sous tes recommandations, nous avons tout mis aux normes. D'accord. Comme tu l'as demandé, tu sais, sous des pressions, sur... Fabrice has trained the staff of some of the leading jewelers in Place Vendôme. This morning, he came to check that the two saleswomen were up to speed. Je voulais juste aborder avec vous les techniques d'ouverture de vitrine. Est-ce que ça vous arrive que des clients mettent la main dans la vitrine? Est-ce que c'est des choses qui vous inquiètent? To test the saleswomen's instinct reactions, the expert will play the role of the customer. Madame, je suis venue la semaine dernière et j'ai vu une bague fleur qui m'a beaucoup plu. Je voulais offrir à mon épouse. Oui. Est-ce que vous pourriez me la présenter, s'il bien vous plaît? Bien sûr, monsieur. Et c'est ce modèle-là que j'avais. Très bien, je vais vous la montrer. Tout à fait. Without her even realizing it, Fabrice makes a slip up. Ou alors, ce modèle, c'est une pièce, une nouvelle pièce de votre collection? Oui, exactement. Alors, voilà, on va s'arrêter l'exercice de simulation. Hein? Quel est le problème pour vous? Le client est très proche de la vitrine. D'accord. Et prend le dessus par rapport à moi. Par rapport à la vendeuse. Voilà. D'accord, très bien. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va refaire l'exercice. Et vous allez faire la cliente, et moi, je vais faire le vendeur. D'accord. Très bien. J'aime beaucoup celle aussi. Bien sûr, madame, je vais tout à fait vous la présenter. Voilà, alors, on va s'arrêter là. Quelle est la différence entre moi et ce que vous avez fait tout à l'heure? Vous êtes côté ouverture de vitrine. Voilà, je me suis positionné côté ouverture. Ce qui fait que ma vitrine ici représente une protection naturelle. Et ce qui fait que le client, eh ben, il n'a pas la tentation de mettre la main dans la vitrine. Très grave. And there are plenty more techniques in his anti-burglary arsenal. Fabrice offers jewelers other discreet yet very effective techniques. On va sécuriser certains produits en y mettant des puces hein, qui vont permettre de localiser toute disparition, de localiser les malfaiteurs et de procéder un peu plus facilement à leur interpellation. Vous avez effectivement des pierres qui sont gravées avec des numéros de série particuliers. En cas de revente, ils seraient facilement identifiables comme le sont des montres haute horlogerie qui ont des numéros de série particuliers. And that's not all. This is the latest security innovation, magic boxes. Display windows that close in less than a second at the slightest sign of aggression, all linked by the same system. An invention that costs 15,000 euros each, reserved for the most expensive items of jewelry. Another feature is these intelligent laser beams. When a piece of jewelry goes missing, they automatically shield the window. Allez, on va y aller. On y va. For the final stage of the inspection, the expert checks the video surveillance. Je vois que tu as mis du volumétrique. C'est un système qui permet de détecter toute intrusion et de déclencher aussi automatiquement l'alarme en dehors de la présence du personnel et puis de déclencher des systèmes de sécurité supplémentaires. Voilà. Après, je vous en dis pas plus. Très bien, tu as une bonne vision de la boutique. This footage is visible to the sales staff, but most importantly to a remote security service. Un opérateur de vidéosurveillance qui peut prendre la main en cas d'alerte, en cas de doute, et voir ce qui se passe dans la boutique. Et du coup, on va en liaison directe avec les services de police pour leur donner des informations, voilà, s'ils venaient à venir des malfaiteurs. Like most jewelers, Ivan has no safe combinations, no entrance key, and never discloses his schedule. He spent 70,000 euros on securing his shop. This is the price to pay in Paris to win back foreign customers, especially the Chinese, who are often the target of thieves. In recent years, they have abandoned the capital.
This is a problem given that on average they spend 5,000 euros per stay. Bonjour. To cater for this wealthy clientele, Ivan has hired Tian, a Chinese sales assistant. This customer is looking for a pink ring. Elle aime bien tout ce qui brille, en fait. 好漂亮，这个好看。 Li lives in France. She has seen her fellow Chinese citizens repeatedly become the victims of theft. Les Chinois deviennent maintenant une cible privilégiée. Et dès qu'ils voient, ah, il y a un groupe chinois, des voleurs, et le pickpocket, et ils regardent, ah, c'est bonne l'occasion de voler leur liquide. Par exemple, l'année dernière, il y a mes amis qui sont venus voyager ici. Ils ont, je crois qu'ils ont amené 3 000 euros dans leur sac. Ils ont juste pris un petit déj. Après, le sac, il se fait voler. Parce que les Chinois, ils ont toujours l'habitude de prendre beaucoup de liquide chez eux. Donc, mes amis ont dit que, à Paris, peut-être maintenant, ce n'est pas la ville privilégiée pour voyager. After half an hour's looking around, Li finally opted for this ring set with diamonds and pink sapphire. C'est toi qui payes. It costs 3,715 euros. Personnellement, je préfère des bijoux occidentaux plutôt français parce qu'il y a plus de design élégant. Je trouve que c'est très parisien pour moi. To bring back Chinese customers, Ivan has plenty more tricks up his sleeve. Nous travaillons aussi avec des guides qui sont des apporteurs de clientèle quand ils viennent. Qui sont rétribués au pourcentage de ce qu'ils achètent ici. Oui, après nous avons un échange pour eux, ce qui est normal, et pour nous c'est vraiment important. Through these efforts, he hopes to regain customers who now prefer to shop in London or New York. Un grand merci à vous. Merci. Merci. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, merci. Mathieu is also obsessed with winning over new customers. The Michelin-starred chef traverses the capital every day, having just purchased some new premises. Je fais au moins 50 km par jour. Je fais facilement 5 fois 10 km entre le bureau, les restaurants, chez moi. J'essaie toujours de rentrer l'après-midi pour voir ma fille. Et après, j'aime rarement avant minuit, minuit et demi. C'est la dure vie de restaurateur. A hard life that is unlikely to slow down. Mathieu's next venture will be in the Invalides district. It's here that he's decided to revive an institution of Parisian gastronomy, Le Divelec. It is due to reopen tomorrow morning. Ça va. Et là, les lumières, il y a un sale coin. Hein. Tout à l'heure. Je viens de recevoir les visites. Before it closed a year and a half ago, the restaurant had been awarded a Michelin star and welcomed the whole of Paris. President Mitterrand was a regular visitor. He had his photograph taken outside with his daughter Mazarine. C'est très chic, c'est le plus bel emplacement de Paris. On est sur l'esplanade des Invalides et c'est jamais embouteillé. Vous allez voir, c'est un truc important. Voilà. Et là, on ouvre demain. Donc il y a encore. Il y a encore du boulot. Je pense qu'on est parti pour rester là toute la nuit. Parce que on a déjà 2 semaines de retard et demain, les premiers clients ont réservé. Donc tout le monde est sur le qui-vive. Donc là, il manque les radiateurs. Mathieu et ses partenaires sont en 7 millions d'euros de dette. 30 personnes ont déjà booked a table pour demain. Donc il veut faire sûr que tout est prêt. Mais les choses sont off to a bad start. Wow. Les mecs, ils ont fait tomber les grilles à l'intérieur du monte-charge. Donc il est bloqué. He has set himself a very ambitious target, 2 Michelin stars. So every detail counts. Je veux pas les nappes sur la table ronde. Starting with the table arrangements. Il faut pas mettre des petites cuillères, on va se faire chourer. T'as des cuillères comme ça en argent. On se les fait piquer dans la semaine qui suit, on n'a plus. Faut trouver des petits trucs jolis, en bois et élégants, qui rappellent un peu le Even in the luxury sector, customers aren't always well behaved. Ça arrive, tu mets des cuillères en argent, le client il vient, je claque dans la poche. Non, ça m'est déjà arrivé. Souvent. Ils volent les savons, les parfums. Moi, l'ambroisie, on a des bouteilles de Guerlain.
d'autres colonnes et on se les faisait voler. Et après, on enlevait les bouchons et les gens mettaient du papier toilette pour boucher le truc. Ils repartaient quand même avec leur bouteille. In haute gastronomie, everything is important, even menu presentation. C'est ce qu'ils ont livré ce matin. Oui. C'est de la toile, hein. Mais c'est très important parce que finalement, ce qui fait un lieu, la réussite d'un lieu, c'est tous les détails qu'on va mettre à l'intérieur. Comment on présente les desserts, comment on présente les cartes du bar. Où, et là, on fait tout bien, ça, c'est logoté, c'est gravé, c'est doré. La carte, on choisit... Mathieu a perfectly mastered the codes of luxury and refinement. Et si demain, vous allez chez Hermès, vous achetez un super beau pull et qu'on vous l'emballe dans un sac plastique dégueulasse, vous n'allez pas l'apprécier de la même manière. Alors que finalement, aujourd'hui, le contenant est aussi important que le contenu. C'est du marketing. The chef is now tackling the most important place, the kitchen. But he's in for a disappointment. Putain, c'est n'importe quoi ça. Ça c'est qui a installé ça là? Oui. Et c'est n'importe quoi, attends. Les mecs, on ouvre demain, ils t'ont mis une étagère, ça fait 4 mois qu'elle est là, ils l'ont mis de travers comme ça. Les frigos, ils marchent ? Non. C'est un scandale. Regarde, les tiroirs, ils frottent. Ils sont où, là, les mecs de chez... Ils partent manger. Ah ouais, ils ont le temps de manger. Nous, on mange pas, mais ils ont le temps de manger. La cuisine, elle est pas finie. Ça fait 4 mois qu'elle devrait être finie. Là, j'ai des étagères, il manque des inox de partout, les frigos sont pas en marche. Là, j'ai aucun frigo qui marche. Je veux dire, on ouvre demain, on a de la marchandise qui arrive demain, qu'il faut réfrigérer. Il y a des trous de 1 cm de partout. On peut faire des meubles sur mesure pour avoir des trous comme ça. C'est les gens sont pas sérieux. The design flaws are many and they stick out like a sore thumb. Mathieu has just 24 hours to turn this kitchen into a worthy setup of haute cuisine. Un cuisinier peut pas travailler là, avec une planche qui va jusque là. Là, les étagères normalement, ça suspend au plafond. Regardez, là, il y a 4 poteaux sur une zone de, allez, 30 cm carrés. Là, c'est la première fois que je vois ça. La cuisine dans un restaurant, c'est la chose qui est finie en premier. His business partner tries to reassure him. Je suis sûr que ça va fonctionner très bien. Voilà, mais lui, c'est un optimiste. Et, vous savez, il faut toujours un bon flic, un méchant flic, un optimiste, un pessimiste. Dozens of customers are expected tomorrow for the grand premiere. Mathieu has very little time left to finish everything and avoid disaster. Back to the Place Vendôme, where most major jewelers can be found. Today, Thierry the Stone Hunter has come to deliver his latest marvel to Claire, the creative director of Boucheron. Alors, je viens vous apporter le saphir 2180 pour la parure. An exceptionally pure yellow sapphire. To avoid damaging the stone worth tens of thousands of euros, the stone setter will have to be extremely delicate. On déploie beaucoup de puissance de force pour abattre les griffes en métal sur les pierres, donc c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Et vous êtes un peu inquiète pour votre pierre? Ouais, moi, je suis toujours contente quand quand tout est terminé. Il ne faut surtout pas prendre le risque de rayer la pierre, d'abîmer la pierre. Donc, le sertisseur a toujours besoin d'être dans un lieu très calme. Et du reste, si vous écoutez, là, il n'y a aucun bruit. Il ne jamais précipiter un sertisseur. Working under a microscope for this sapphire that will be the centerpiece of a remarkable piece of jewelry, a Parisian art form envied by the whole world. C'est une fierté de chaque instant. On est dans une maison qui a presque 160 ans d'existence. Donc il y a toute une tradition et un savoir-faire qui est transmis de génération en génération et qui donne le résultat qu'on peut voir actuellement dans nos vitrines. In total, 10 craftspeople are working on the yellow sapphire necklace, a crazy project involving 3,900 diamonds. The design involves woodland scenes that have been arranged to create pendants, all covered in rock crystal. Thierry monitors the progress of this masterpiece. On en a eu. On a posé le cristal de roche qui va venir sur chacune des facettes. Si vous regardez cette pièce-là, qui est très belle du dessus, elle est aussi
très belle du dessous. Car là, vous voyez tout le savoir-faire, justement le savoir-faire français. Et vous avez l'impression que toutes les pierres sont en suspension. Ça, c'est vraiment l'art, et là, je peux féliciter Alexandre. Elle a une main d'or. Au niveau de la fabrication, et on est quand même des leaders dans le monde, et la preuve, c'est que vous avez beaucoup de joailliers qui sont étrangers, qui font fabriquer en France, donc ça a quand même un sens. This rare piece will require 2,000 hours of work. In a few weeks' time, a customer will be wearing this set of jewelry, worth more than €1 million, and it will amplify the brand's reputation. Near the Invalides the next morning, Mathieu Paco has assembled his entire team. The restaurant is opening in a few hours. Ce soir, on prend le temps. Hein? C'est pas grave, c'est le premier jour, les gens vont comprendre. On envoie les choses bien, on prend le temps, et puis après, bon, bah, voilà, voilà. 30 people are booked in for the launch event. The young chef and his team are under pressure. L'ouverture, c'est la première image que les gens voient. C'est-à-dire que quand on ouvre un restaurant, ils s'en souviennent tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on limite le nombre de couverts pour faire en sorte que, sur l'ouverture, en tout cas sur les deux, trois premières semaines, on prenne notre temps, que le service aussi puisse s'habituer au fonctionnement, que les cuisiniers s'habituent au nouveau matériel. Vous n'avez aucun doute? Ah, j'ai des doutes, mais je le montre pas. En tout cas, pas devant les équipes. Voilà, allez, on y va. Mathieu's main concern is the kitchen. Just yesterday, it was still under construction. Ça a changé en 24 heures. Hein. Yesterday's complaints have been followed. Le frigo marche, 5 degrés, tout fonctionne. Tout bon. Ah, hier, j'y croyais pas. Mais bon, dès que t'as l'huissier qui passe, hein, ça règle le problème. The restaurant doors open in a few minutes. Allez, vous mangez tout là parce que. Mathieu doesn't miss a beat. He wants to establish a very high level of quality right from the off. Là, tu vois, là, moi je suis un client, j'ai un restaurant, je vois ça. Et donc on change. Sur des projets comme ça, faut vraiment être l'œil du tigre. Là. Even the lighting ambience has been carefully considered. Le secret pour que ce soit un succès, c'est que le client se sente toujours beau. C'est pour ça que la lumière a son importance. Tout est étudié. To make the first service easier, customers will have to make do with two menus. On prépare une langoustine en amuse-bouche. Clams with citrus fruit. Sole with sorrel. Lobster with minestrone. But Mathieu has noticed a few problems with the first batch of deliveries. Alors, on n'a pas fait les sols encore. Si. C'est la deuxième table. Ok, fais-lui. Alors, attends, c'est. Non, j'ai une connerie. Deux palourdes, deux passes. Ouais. Deux palourdes. J'ai l'impression qu'elle n'a pas eu le. Que le bon n'est pas descendu. An order form didn't reach the chef. Fortunately, the diners don't notice a thing. Jean-Marie and Ségolène didn't want to miss the grand opening. Enfin, moi, je t'ai jamais vu, mais c'était très bien. Moi, je venais petit garçon et c'était un peu triste. Alors que là, c'est gay parce que le décor était un peu passé. But there were also some disappointments on this first night. Il y a un menu à 90, il y a un menu à 150. Donc on est dans du vrai luxe, donc c'est très bon. Mais deux menus, ça serait pas mal qu'il y ait une carte. Il faut laisser une certaine souplesse aux clients. Effectivement, ils sont un petit peu en rodage, je pense, comme ils nous disent. Bravo, je suis vraiment content de vous voir là. Bon, goûtez. Comment ça s'est passé? At the exit, Mathieu is keen to gather customer feedback. Bon, ça a été? Ouais, très bien. Je trouve ça joli. C'est pas mal. C'est bien. Là, des clients difficiles, c'est ça la ça difficile. Me rappelle pas l'ancien Divelec quand même. Moi qui suis un monsieur âgé et qui venait souvent avant, ça a tout changé. Hein. Heureusement. Ça a tout changé. Mais c'est bien, c'est moderne. Voilà. Non, c'est important parce qu'il m'a fait une réflexion sur les palourdes. Il n'y en avait pas assez. Ah oui. Ça, c'est plutôt, une bonne réflexion. Donc demain, on changera, on en mettra plus. Mathieu wasn't completely satisfied with his debut. Moi, je trouve qu'on n'est pas encore là où ça devrait être. Plus courageux que vous. Allez, à demain. Ciao. 11 p.m. The kitchens are closed. Mathieu will be wearing his apron again tomorrow.
Before going to bed, the chef will take a flying visit to his other two restaurants. The price to pay in the race to win Michelin stars. In the very chic 16th arrondissement, Entrez, suivez-moi. Chantal Thomas is almost running out of time in her race against the clock. To complete her lingerie collection, she's been working non-stop from her apartment, decorated in her favourite colours. Ça c'est chiné, ça c'est contemporain, enfin c'est un artiste italien. Et ça aussi, ça c'est, c'était une œuvre, c'était un sapin de Noël. Le buffet, je l'ai fait repeindre par un ami artiste, Panthère, parce que j'avais envie de quelque chose de drôle. Oui, c'est tout ce que j'aime. Il y a du rose au plafond, beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres sur la mode. Et là, on est en train de travailler, oui, sur... This is the last stage before the production of the models. Chantal is readjusting her prototypes on Xenia, the model who works with her. Tu veux l'essayer, Xenia? Voilà. Tiens, voilà, essaye ça. These luxury lingerie sets feature Calais lace. Et devant, on met un petit bout qui dépasse devant. Oui, c'est joli aussi. Ouais, c'est pas mal. C'est très près du corps, on a besoin de voir ce que ça donne sur une vraie femme. Donc on travaille régulièrement avec Xenia. Et nous-mêmes, Natacha et moi, nous essayons tout. Tous les modèles, avant que ça sorte, on les essaie aussi pour voir si c'est confortable. Et alors, Xenia, vous l'achèteriez ? Oui. Moi, j'ai des cadeaux aussi. But right now, Chantal is preoccupied with another project that will give her even more exposure. Her expertise is being called upon by one of the famous Parisian cabarets, the Crazy Horse. Ah ben bonsoir, c'est là qu'on se pose le problème de savoir si elle va pouvoir la solidité. Ouais. Parce qu'elle va bouger, elle va danser, qu'elle s'accroche pas dedans. Et que... This Parisian nightclub asked her to design the costumes for its dancers, who were usually almost totally naked. C'est un projet prestigieux parce que c'est un lieu international. Parce que c'est pas uniquement... Enfin, c'est français, oui, le Crazy Horse c'est à Paris, c'est français. Mais c'est connu du monde entier. Ça va vous faire de la publicité à l'étranger? Sans doute, certainement. 40% of the clientele is foreign and prepared to pay more than 100 euros to admire the crazy girls' perfect figures. Chantal had to propose some sexy outfits to match the show. C'est bon, assez pour aujourd'hui. The premiere is in a week. The designer's reputation is riding on this assignment. A few days later, on the Champs-Élysées, the stylish avenue Georges V is just around the corner. Another of the capital's luxury districts. It's home to the world-famous Crazy Horse. Je peux sauter, hein? Merci. For Chantal Thomas, today is the big day. The premiere takes place tonight. With the designer's new costumes. With 4 hours to go before the show starts, Chantal checks everything, even the dancer's hairstyles. La frange, vous la cache dans ce cas-là, ou la forme de chapeau. Ah oui. Les franges. Ça dépend. Les deux peuvent être bien. Ça dépend de la longueur de frange. C'est très délicat. C'est chacun son truc. Hein. Mais vaut mieux la cacher. This cabaret, created 65 years ago, constantly has new numbers thanks to a number of leading figures, like Dieter von Teese and the famous shoemaker Christian Louboutin. Collaborations that benefit the image of both the artists and the cabaret. Only 2 hours to go before curtains up, so Chantal Thomas checks that her outfits fit properly. Ça, ça remonte toujours, mais sur scène, ça va être adorable. Ça, c'est parfait. Elle est jolie, la soubrette. Elle est très jolie, la soubrette. Elle est très mignonne, ouais. Tu te sens mieux? Eh ben voilà, tu as le plus serré. Et le porte-jartel, c'est pareil. Porte-jartel, c'est pareil, tu peux le serrer un peu plus. D'accord. On connaît toutes Chantal Thomas. Du coup, quand on a su qu'il y avait un partenariat, c'était waouh. Déjà, on est plus habillés que d'habitude. Je les ai beaucoup habillés, parce que la plupart du temps, ils sont pratiquement nus du début à la fin. Le soutien-gorge n'est pas... normalement, ne fait pas partie du crazy. Non. Donc, non. Elle l'enlève quand même de temps en temps. Oui. Pour rassurer un peu clin d'œil. L'audience masculine.
C'est parti. On y va. On y va. Oui, oui. Un peu de stress. Dernière ligne droite. Encore, mais ça va. Vous êtes belle. Ça va aller. Vous êtes belle. Vous nous rassurez bien. Toujours. Hein. Voilà. Curtain rises in less than an hour. Members of Parisian high society are waiting outside. They all want to see the grand premiere of the show reimagined by Chantal Thomas. Chantal. 200 celebrities from the worlds of fashion, film and dance, including Kamel Wali, are attending, as well as former Miss France Maëva Galanter and models like Kelly Brook. I always shop there when I come to Paris. I think it's like a you know, you see the Eiffel Tower and then you shop for lingerie in Paris. Chantal Thomas, magnifique! Elle est la personne parfaite pour dessiner pour les Crazy Royce et c'est un endroit mythique. Magnifique, moi j'adore, c'est un endroit vraiment très parisien, c'est les cabarets, c'est la nuit parisienne. J'espère pouvoir voir ces filles et dire « Ah, oh, elles sont pas bien gaulées, oh, elles sont bien civilisées », mais non, je ne le fais jamais parce que ce n'est jamais le cas. Chantal Thomas dressed the dancers, respecting the principles that made her a success, sensuality and glamour. From backstage, the designer watches everything and trembles at every move the girls make. Vous savez que c'est pas si facile parce qu'il y a plein de choses, plein de lingerie qu'on a essayé avec lequel elle ne pouvait pas danser. Parce que ce sont vraiment des danseuses. Donc il faut pouvoir bouger dedans, c'est pas si simple que ça. C'est du costume. Chantal Thomas's lingerie sets come to life on stage. The designer has brought us into her world, black and pink. As expected, Calais lace takes pride of place on the stage. Je suis contente de l'avoir fait, c'est une jolie expérience. Oui. C'est angoissant, mais c'est bien. Mission accomplished for Chantal Thomas and the dancers. This evening, Parisian chic sparkled once again in the luxury capital of the world.